it's very difficult for me to estimate how I'm going to feel after the first one or two stages, so I will take it easy, not to overpace in the first stage, and I'll just see. It's going to be a new experience. دابا وصلنا لاخر الاستعدادات لانطلاق هذه الدوره ديال ترونزاتلاس ماراثون، والعدائين والمشاركين كتسناهم واحد المرحله غدا ان شاء الله مرحله ما سهلاش. المشاركين كتسناهم واحد 275 كيلومتر باش يوصلوا لنقطه الوصول اللي غادي تكون في امليل، وعبر 6 ايام واترافيرس عبور جبال الاطلس الكبير من الشمال الى الجنوب. I'm glad to be back. Actually, it's my second time in Morocco. I came here maybe 3 years ago and I ran the marathon myself. And I loved the country, I loved the people, and the race was of course interesting as well. So when I heard that there's a chance to come back and not run in the desert but run in the mountains, I thought it was a great opportunity to come back to the place that impressed me so much the first time I came. Effectivement sportive, absolument formidable et en même temps humaine. On a affaire à des sportifs de très très haut niveau qui nous subjuguent, parce que faire 50, 60 km en haute montagne par jour, c'est absolument un exploit considérable. Le Transatlas Marathon est une aventure à la fois sportive et humaine, basée sur un principe de solidarité, puisqu'il y a effectivement une partie qui va être versée notamment pour la construction d'une école. Je trouve qu'on a affaire à des personnes sportives, effectivement, d'un niveau extrême, mais aussi d'une grande humanité. Donc je le redis, c'est à la fois une première expérience, une première édition. On espère qu'il y en aura d'autres derrière. ,275 km, c'est vrai que sur le papier c'est impressionnant, enfin, c'est dur, c'est même très dur. Vu le dénivelé, vu le style de terrain, c'est quand même c'est impressionnant. Mais bon, on le fait, chacun le fait à son rythme. Il y a les premiers, il y a ceux qui sont bons, qui vont très vite. Et après il y a nous qui sommes là un peu pour découvrir et le faire à notre rythme.
Running without trails, there were no trails, it was off-piste, it was off-road, so it was really big rocks. We had to run every day 30 to 70 kilometers and 1,500 to 3,000, 4,000 meters of verticals. So every day we've been very, very tired, but the atmosphere is great and the people are great, so we had a really great time despite the fact that we've been very, very tired. So I want to say thank you to the Moroccans.